apparemment ils ont dû refaire les séries. El Hachimi la marocaine, ah c'est la deuxième série, d'accord. El Hachimi la marocaine, donc qui sera au couloir numéro 3. Marcel Bouele Bondo, couloir numéro 4. Samira Boubacar, la nigérienne, couloir numéro 6. Et Emeline Manirapitsa du Burundi à l'extérieur. Il y a également Majita Dongo, la congolaise, à la COP. Le tour de piste donc. Ça sera dur de battre le record des championnats détenu par la championne olympique sénégalaise Ami Baketiam en 50 secondes et 92 centièmes. Voilà, c'est parti. Il y en a une qui est carrément pas partie. Elle était à l'extérieur. C'est Dongo. Et on va suivre le maillot de la marocaine Hachimi, même si elle n'est pas très bien partie pour l'instant. C'est la burkinabé Sibiri qui est en tête avec le retour peut-être d'Hachimi, mais pour l'instant elle est loin, la marocaine. Sortie de virage avec la burkinabé Sibiri qui sort en tête, et c'est maintenant qu'Hachimi fait son effort. La marocaine qui revient à hauteur de la burkinabé. Ça va être un mano à mano sur cette deuxième série, et Sarah El Hachimi qui finalement se détache et s'impose en 53 secondes et 8 centièmes, temps qui sera corrigé à 53,09. Qualification donc pour El Hachimi, pour Sibiri, et la troisième place prise par Samira Awali Boubacar, qui s'est imposé devant une autre marocaine, Lelali. Elodie Melassara, la congolaise, qui a pris la troisième place. Mais on regarde le retour de la marocaine El Hachimi, qui était partie prudemment, qui a fait un 200 premiers mètres prudent et qui, en négatif split, vient coiffer Sita Sibiri, la burkinabé qui avait un peu trop de lactique dans les jambes et elle n'a pas pu garder le même rythme. Mais elle conserve sa deuxième place. Les Marocaines qui...